بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضا اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته messieurs mes frères les louanges les remerciements les eloges exclusivite À Allah, l'unique, celui qui a tout créé en couple, celui qui n'a besoin de rien, à qui tout revient, et dont les ordres sont tous sages, et qui a envoyé le messager Muhammad, qu'Allah le bénisse et le sauve, comme sceau de la prophétie. À l'exemple de ses autres frères, il nous a apporté ce qu'Allah a aimé, à la différence que. Allah a complété sa religion au travers de lui, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins ne nous fassent l'honneur d'en faire partie. Il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les univers. Et donc cet épisode 4 qui nous intéresse aujourd'hui parle toujours de la famille en islam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc Adam, d'elle, de lui son épouse, du couple fait sortir beaucoup d'enfants, de, garçons et filles. Et a établi un lien de parenté C'est pour cela que nous avons choisi donc La famille en islam C'est l'un des versets, c'est le premier d'ailleurs De la sourate des femmes en Nisa Et qui amène donc à Comprendre la sagesse d'Allah Subhanahu wa ta'ala d'avoir créé Les hommes et les femmes D'avoir créé cet amour entre eux Et aujourd'hui on va Essayer Inch'Allah de répondre à quelques questions à poser, poser plutôt les bases Des devoirs Et des droits dans le couple. Qui parle de droit, parle nécessairement de son corollaire qui est le devoir. Et en réalité, quand on parle de haq, quand on parle de d'injustice, c'est toujours en rapport avec le droit de l'autre, qui devient un devoir. Je préfère, et de loin, parler souvent de devoir, même si beaucoup parlent et réclament leur droit. En réalité, comme l'a dit le prophète Mohammed à ses jeunes, qui veulent se révolter contre les autorités, il a dit Tant qu'ils feront la prière parmi vous, donnez-leur leurs droits et Allah va vous donner vos droits. Donc, les droits, c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer les droits de l'autre. Donc, nos devoirs. Plutôt que de nous concentrer sur nos droits, Allah ne va pas nous interroger sur nos droits il va nous interroger plutôt sur nos devoirs. Et je suis convaincu, comme on le verra, allah, la semaine prochaine, que les soucis. De couple, et Allah seul sait qu'il y en a beaucoup, les conflits naissent du fait que l'on on ne voit que ses droits en réalité, et on oublie souvent ses devoirs. Le devoir, bien entendu, c'est l'adoration, c'est pour ça nous avons été créés. Et Allah, dans sa miséricorde, a donné à toute créature des droits, qui représentent donc des devoirs vis-à-vis -vis de l'autre. Si on se focalisait sur nos devoirs, certainement beaucoup de conflits. N'existerait pas. Et un des versets sur lequel j'aimerais bien rester aujourd'hui, qui fait le résumé, à mon sens, de la vie de couple, Allah dit dans la sourate Al-Rum, 30, verset 21, Parmi ces signes, et ils sont innombrables, c'est d'avoir créé de vous pour vous une épouse afin que vous trouviez la paix. Et ami pour cela, entre vous, amour et miséricorde. C'est comme ça que l'on traduit souvent. Donc la base même d'un couple, c'est d'y trouver l'amour et la concorde et la miséricorde, d'y trouver surtout la paix. Quand on arrive, quand on quitte... Son foyer, c'est pour aller, c'est provisoire, comme nous sommes tous éphémères. Mais c'est pour aller faire un devoir pour revenir y trouver qui étude paix et miséricorde. C'est pour cela que le foyer est l'endroit c'est la base. Quand on y revient, on retrouve malgré tout ce qu'on a pu affronter comme euh, difficulté à l'extérieur, on trouve écoute, on trouve paix, on trouve miséricorde, on trouve aide, on trouve soutien de l'autre. C'est la raison pour laquelle les droits communs certainement sont les plus importants. Et Allah, dans la al-Baqarah, verset 228, Sutra 2, donc, parle donc des femmes, des épouses, qui ont des devoirs correspondants à leurs droits. Et Allah parle donc dans cette, de ces droits et de ces devoirs, en commençant certainement par ce qui est le plus important à savoir, les droits communs et les devoirs communs. Et il y en a beaucoup plus que de se mettre à, quand une personne veut se marier, souvent, femme, ou Hommes va aller regarder dans lesquels sont mes droits plutôt que quels sont mes devoirs. Donc, parmi ces devoirs, nous dirons, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans son livre, dans les sourates très courtes, entre autres. Quand tu jures, subhanahu wa ta'ala par le temps, ou à l'asra, il a l'instant de la fille, qu'on serait dans la vie, n'a pas wa ou à mille ans, les hâte, ou à tawa, ça au billet, ou le fait donc que l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et qui accompagnent leur croyance, qui traduisent leur croyance par le des bonnes œuvres. Et parmi les bonnes œuvres, c'est le fait d'avoir le bon comportement. Le bon comportement vis-à-vis -vis de qui Vis-à-vis -vis, notamment donc de des gens qui sont proches, puisque c'est eux qui nous supportent. Ce bon comportement, c'est le prophète alayhi wa sallam il dit un dinar qui a été dépensé pour donner pour nourrir un pauvre, un dinar qui a été dépensé dans la voie d'Allah subhanahu un dinar qui a été dépensé dans la famille. Parmi ces trois types de dinars, c'est celle, la dernière catégorie, dépensée en famille qui est plus importante. Elle est doublement récompensée. Et notre référence qui est le professeur al Salam nous a dit dans le hadith de d'Aïcha, que nous connaissons tous, en tout cas que les, les femmes ont bien retenu, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec hein, sa famille. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille. Et moi, je suis... Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec leur famille. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous, je suis le meilleur avec ma famille. À n'en pas douter, puisque c'était le meilleur tout simplement. Et également, dans un autre hadith le prophète nous a dit que les meilleurs, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avec leurs épouses. Les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avec leurs épouses. Et donc, ce qui amène à savoir que cette, ce foyer doit être une source de bonheur, une source de paix, une source donc de bon comportement, un repère. Et ceci ne peut se faire, bien entendu, que si un certain nombre de valeurs sont respectées. Une éthique est observée dans ce foyer-là Et ce qui implique nécessairement Donc la contribution des deux parties C'est Allah décrit C'est traduit souvent par amour Bref C'est cette attirance C'est ce, ce manque De l'autre quand il est absent C'est cette attirance et Ibn faisait miséricorde, disait que parmi la miséricorde d'Allah, c'est justement cette attirance que l'on retrouve Donc dans un couple. Et ça n'existerait pas que ce seraient deux colocataires. Ça, c'est un cas de conflit. Cette attirance est naturelle. Et sa manifestation l'est encore plus. Donc on parle de l'attention, on parle de mots doux, on parle de bon comportement, on parle d'écoute, on parle, tout ceci rentre dans l'amour. Tout ceci rend dans l'amour de l'autre, que ce soit de l'homme, de l'époux vis-à-vis de l'épouse ou de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Et si cet amour vient à diminuer, ou plutôt à se manifester d'une autre façon, parce que l'amour n'est pas que l'amour physique ou autre chose, si cet amour vient à, être à, à se manifester ou à se transformer ou à être complété par d'autres formes d'amour, alors, à ce moment-là, ça devient de la miséricorde. Le minimum, le prophète nous a dit Soyez miséricordieux avec les créatures d'Allah ou ceux qui sont sur terre celui qui est au ciel, au-dessus du ciel, subhanahu wa ta'ala, comme ici à Sa Majesté, vous fera miséricorde. Et donc, cette miséricorde doit rester. Ceci fait partie des bonnes œuvres. Comme il a dit à Allah, même la lokma que l'on donne à son épouse, ce qui aujourd'hui est assez étonnant pour des gens notamment qui sont habitués à la fausse modestie et à la fausse humilité et qui ne feraient pas, un pas manger euh, leur, leur épouse ou autre chose. Même la lokma que tu mets dans la bouche de ton épouse, est une sadaqa. Il a été jusqu'à nous dire que la, parmi les droits communs et qui sont considérés comme une bonne œuvre, c'est les relations conjugales qui sont un droit tant pour l'homme... Que pour la femme. Souvent on entend, et effectivement l'insistance du prophète Mohammed, parmi les droits de l'époux, c'est que l'époux ne se refuse pas, sauf pendant ses menstrues, ses lochies, quand elle est malade, etc. Mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que l'inverse aussi est vrai. L'épouse a des besoins, et donc l'homme ne doit pas, sauf maladie, sauf cas extrême, L'homme se doit de préserver sa chasteté, la chasteté de son épouse et vice versa. Si effectivement il est demandé à cet être qui est peut-être plus à l'extérieur, qui est peut-être plus attiré et aujourd'hui on peut même plus en parler entre les TV, entre, la, entre la télé et tout ce que l'on voit et qu'il n'y a même pas d'émission même sur les animaux sans voir, de, sans contempler des sexes ou des actes sexuels, etc., etc. Donc je parle pas d'aujourd'hui, mais celui qui est exposé le plus et celui à qui revient de subvenir à tous les besoins matériels, c'est bien l'homme. Donc le fait qu'il soit sorti, qu'il soit attiré par d'autres créatures, d'autres épouses, d'autres femmes plutôt, ceci doit aider donc, à la satisfaction de, ses, de sa, sa demande, doit être une priorité entre guillemets de son épouse. Pourquoi Parce qu'elle veut l'aider à... Être un meilleur musulman, à être un meilleur croyant et que Allah a créé ce qu'il a créé, tout dans la perfection. Et par conséquent, ceci fait partie donc de ses droits, mais également de ses devoirs. Parce que rarement on trouve ça dans les livres, rarement on en parle, on parle souvent et les hommes reviennent. C'est un dire que les hommes retiennent beaucoup. à savoir que la femme ne peut pas se refuser, ne doit pas se refuser, mais il ne s'agit pas bien entendu d'un viol. Encore une fois, j'entends certaines sœurs en train de demander est-ce que c'est vrai Il ne s'agit pas d'un viol. Et que le prophète nous a enseigné les jeux amoureux il nous a enseigné la douceur il nous a enseigné comment se comporter, même avec des animaux, que dire alors de son épouse. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'épouse reste avant toute chose une sœur. Et on reste un frère. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète il a dit, Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Et s'il n'aime pas donc pour sa soeur également, qui est son épouse, ce qu'il aimerait pour lui-même. Est-ce qu'on n'aimerait pas être un aimé Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir des manifestations de douceur, de miséricorde Est-ce qu'on n'aimerait pas être écouté Est-ce qu'on n'aimerait pas être consolé Est-ce qu'on n'aimerait pas Est-ce qu'on n'aimerait pas Aimer, comme le disait un tabéi, qu'elle a miséricorde, que je ne citerai pas, quand son frère lui a écrit en disant Qu'est-ce que comment tu vas Il a répondu, tu m'as n'est-ce pas demandé comment je me porte. Ce que je peux te dire, c'est que il m'a été plus facile de jeûner les journées chaudes d'été, en supportant la faim et la soif, que de mettre en pratique. Le fait d'aimer pour moi, d'aimer pour l'autre plutôt, c'est que j'aime pour moi-même. Salam. Et donc, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et de se poser la question, quand une personne est triste, quand une personne a des soucis, qu'est-ce que la personne attend de nous, si on avait les mêmes problèmes Donc, il y a cet, cet aspect, naturellement, je dirais, de bon comportement. Et qu'on pense à l'autre en pensant à soi. Et qu'on se demande pourquoi l'autre, qu'est-ce qui lui manque, donc ses devoirs vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de l'épouse, vis-à-vis de l'époux, doivent être un des soucis, qui est un des droits, donc, de l'autre. Ensuite, comme l'Islam nous le dicte, il y a un certain nombre de valeurs, en plus de la confiance, en plus de l'amour, en plus de la miséricorde, etc. Il y a un certain nombre de valeurs que l'Islam enseigne et qu'il faut. Observer et que malheureusement, comme on le verra peut-être la semaine prochaine, allah, qui sont sources de conflits, entre autres, la fidélité. Beaucoup de couples, on accepte, la société accepte souvent, exige même, à juste titre. Allah dit, on l'a déjà vu, voilà ta karabouzina. C'est une des raisons pour lesquelles Allah a instauré le mariage. Ne vous approchez pas de la fornication. Et donc la fidélité est un devoir de des membres du couple. C'est un devoir. Aujourd'hui, on accepte, puisque quand une femme est infidèle, etc., il se peut que cela se traduise par une grossesse hors mariage, etc., alors que pour l'homme, ça ne se voit pas, mais Allah le sait. Et donc, cette fidélité fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est tellement évident que la confiance doit régner. On ne va pas être là en train de fouiller dans les téléphones comme le font. Beaucoup de sœurs, malheureusement, parce que ne font pas confiance justement à cet homme qui doit tout faire pour qu'on lui fasse confiance. Et qui ne font pas confiance à cette sœur, par jalousie peut-être. La jalousie, il n'y a pas d'amour sans une jalousie. Le fait de vouloir, quand il n'y a pas d'amour sans jalousie. Quand on aime, on est forcément jaloux. Mais ensuite, il ne faudrait pas que ce soit une jalousie qui soit donc maladive et qui va amener à des choses qui sont interdites. Comme Allah dit subhanahu wa ta, dans la sourate 49 en particulier, un certain nombre donc de, de recommandations. Quand il dit il a dit vous qui sont qui proclamer la foi éviter un maximum de soupçons. Il y a des, des couples qui vivent et qui installent même il est même arrivé que des gens installent des caméras pour surveiller leur épouse ou de suivre leur mari. Bien entendu, s'il n'y a pas cette confiance, là, pourquoi vivre ensemble La confiance est indispensable quand on veut construire quelque chose, quand on veut s'associer. Et là, nous avons dit que le projet fondateur, c'est d'aller vers Allah. Comment penser de son frère, de sa soeur ce qu'on n'aimerait pas qu'on pense de nous-mêmes. Que l'on voit des attitudes ou autres qui ne nous plaisent pas, ça se discute. Et en passant dessus, on essaie de reformer, etc. Mais que le soupçon soit la base des relations, ce ne sont pas des relations qui sont saines nécessairement qui vont aboutir en tout cas pas un bonheur si on doit se supporter sinon ça va finir par le divorce le soupçon Allah dit de ne pas, une partie de la conjecture est péché et Satan quand il ne faut pas l'oublier, ce qu'il recherche le plus c'est là où il est satisfait entre guillemets de son fils qui a réussi à séparer l'homme de la femme donc le mari je veux dire de, de, de son épouse L'époux de l'épouse. Par conséquent, combien de mauvaises idées, combien de, de choses traversent la tête de l'un et de l'autre, de très mauvaises interprétations, qu'il faut bien entendu, des waswas, qu'il faut chasser. Et parce que le manque de confiance, qu'est-ce que ça va amener Ça va amener de l'espionnage. Voilà, c'est juste ça. C'est ce qui suit dans le même verset de la Sourate al-Hujurat 49. Et ne vous espionnez pas. Quand on va regarder sur l'ordinateur, sur le site qu'il a visité, sur euh, à qui il a téléphoné, etc. etc. Ce ne sont, ce, ce sont, ce sont pas des, le devoir d'un homme ou d'une femme vis-à-vis -vis de celui ou de celle qu'il a choisi. Ça, ce sont des choses qui ne sont absolument pas acceptables. Ce sont le droit de l'autre qu'on lui fasse confiance. Le droit de fidélité, c'est vis-à-vis avant tout d'Allah et ensuite vis-à-vis -vis de l'autre. Ce sont des valeurs qui sont communes, qui doivent être communes. Et également ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, c'est que il faut de la confiance, il faut de la patience. Et cette patience, nécessairement, est basée sur la tolérance, le fait de ne pas se focaliser sur les défauts de l'autre, les erreurs de l'autre. Ça, c'est des deux côtés. Qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, parce qu'elles ont souvent beaucoup patienté, elles ont souvent beaucoup souffert, justement, soit à cause de la négligence des, des, des de nos pères, soit à cause du fait du peu d'intérêt, entre guillemets, que manifestaient, que manifestent encore beaucoup d'hommes vis-à-vis de leurs épouses, ou du peu de réconfort quand elles attendent le réconfort, etc. Donc, cette patience, le prophète a été jusqu'à nous dire qu'aucun croyant ne. n'agissent vis-à-vis de la croyante, ne la déteste, parce que s'il voit en elle des choses qui ne vont pas, et ça nécessairement, Allah seul est parfait, il trouvera en elle des choses, une compensation, des choses qui vont très bien. Donc que chacun se focalise sur les qualités de l'autre, ça c ce sont des droits qui sont, ou des devoirs, c'est pareil, qui sont, qui doivent rester des devoirs qui sont communs aux uns aux autres. Et donc ceci fait partie des choses. Qui doivent gouverner notre existence, notre cohabitation. Et c'est pour peu de temps, comme le disait Omar, qu'Allah l'agré. Donc le fait de fermer les yeux sur les défauts ou les erreurs de l'autre, ça va forcément arriver. Adam comme a dit le prophète L'erreur est, est liée à tout fils d'Adam, et les mères entre eux, c'est ce qui revient vers Allah répentant. Donc ça, c'est devoir sont communs aux uns aux autres le devoir de par, de reconnaître ses fautes malheureusement ce n'est pas souvent c'est de l'orgueil et que le prophète allahou nous a enseigné que ne rentrera pas d'après donc ce hadith authentique ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur orgueil c'est refuser la vérité et c'est un devoir d'accepter la vérité wa bil cette vérité peut être l'islam mais c'est la vérité d'une façon générale, d'accepter d'avoir tort, de demander pardon pour cela. Parce que, qu'Allah fasse miséricorde, on fait dire à Omar, qu'Allah l'agré, qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur qui me montre un de mes défauts. Parce que ce défaut-là, si tu ne le corriges pas, ça veut dire que tu vas prendre le droit de l'autre, et il se peut que demain, tu sois interrogé par cela, par ton Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Donc le fait de se conseiller, bien entendu, le bien parler. Cela fait partie également des bons comportements en général. Bien parler à son épouse, ce n'est pas parce que c'est mon épouse que je dois être hautain. Ce n'est pas parce que c'est mon mari que je l'envoie promener. Ce n'est pas parce que je suis en colère que je m'exprime d'une façon ou d'une autre. Ceci va dans les deux sens. Malheureusement, souvent, les hommes l'expriment d'une façon physique et les féminicides sont connus chez les musulmans comme en dehors des musulmans. Et donc, tout ne se règle pas par le. L'agression, l'agressivité entre guillemets. Le prophète, alayhi salatu était doux. C'était le plus doux des hommes. Et jamais, comme l'a dit Aïcha, et elle sait de qui elle parlait. Elle parlait de son mari, sallallahu alaihi wa sallam. Jamais le prophète, alayhi salatu n'a levé la main sur un esclave ou sur une femme. Chaque fois qu'il a levé la main, c'était dans le combat pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette douceur doit caractériser les relations entre et la confiance et les douceur, et également l'entraide, comme Allah le dit dans la Surah 90, dans la Surah Balad. Cette miséricorde donc, qui doit dicter cette miséricorde, bien sûr, c'est dans ce bon monde, cette miséricorde, c'est également le fait que les uns et les autres s'entraident. Dans la religion. Qu'Allah fasse miséricorde ou qu'Allah bénisse l'homme qui réveille son épouse pour faire les prières surrogatoires et qui, si elle ne se réveille pas, lui jette un peu d'eau et vice-versa. Qu'Allah fasse miséricorde à la femme qui se lève pour invoquer son Seigneur le dernier tiers de la nuit, par exemple, et qui réveille son mari pour prier, puisque, on a dit encore une fois, c'est un projet fondateur. Et le meilleur degré, le degré occupé par le couple et leurs enfants, on espère, sera le degré du meilleur d'entre eux ou le plus haut degré gagné par grâce à Allah au travers de sa miséricorde par l'un des deux ou l'un des membres de la famille. Donc à la face miséricorde, la femme qui se lève pour adorer son Seigneur, subhanahu wa taala, et qui réveille son mari. Et s'il refuse de se réveiller ou il a, il a une paresse quelconque qu'il lui jette un peu d'eau, il ne s'agit pas bien entendu d'aller prendre un seau d'eau, surtout quand on connaît la nervosité de certains hommes, un seau d'eau pour le verser sur sa tête. Bien entendu que non. Donc ça, ce sont des valeurs qui doivent être des valeurs communes de tolérance, de bienveillance, d'écoute, de confiance, de miséricorde tout simplement, de douceur surtout, de douceur. La femme est souvent caractérisée par la douceur, quant à l'homme parfois... Je parle de nos couples encore, contemporains, je ne parle pas des compagnons du professeur sallallahu alayhi de l'homme est souvent encore caractérisé par la dureté. Et cette dureté qui, si c'est une dureté du cœur, certainement cela trahit en réalité, donc un mauvais comportement. Le meilleur comportement doit être vis-à-vis -vis donc de la, femme, de, de, la, de la famille, notamment donc de l'épouse, et on dira que l'inverse est également vrai. Ça, ce sont des valeurs communes, entre guillemets, il y a des valeurs spécifiques. Qui sont des devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse et, et plus tard vis-à-vis -vis des enfants. Mais on en, on en reparle, Inch'Allah. Les valeurs spécifiques, en plus des valeurs communes, donc, c'est que l'homme, comme Allah subhanahu wa le lui dicte et nous nous en informe dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 34, sur lequel, Inch'Allah, on reviendra si Allah le veut la semaine prochaine pour parler des sources de conflits et comment essayer de les régler. C'est que l'homme doit entretenir. Son épouse. Quand je dis entretenir, ce n'est pas péjoratif. L'homme doit subvenir. Allah a donné à l'homme ce qu'il n'a pas donné à la femme. Il ne s'agit pas de régner, il ne s'agit pas de mettre une gradation. Il ne s'agit pas de dire que l'homme est supérieur à la femme ou que la femme est supérieure à l'homme. Allah a ordonné, Allah a donné une force physique, Allah a donné des capacités dans un certain nombre de recherches de biens, de recherches de nourriture de vêtements, etc. Et il, char il a chargé l'homme de, de subvenir aux besoins de sa famille, à commencer donc par son épouse, que ce soit son, la nourriture, que ce soit la boisson, que ce soit le vêtement, que ce soit le logement. La femme peut, bien entendu, y participer, mais la femme n'est pas tenue de le faire. On a demandé au professeur Assalam, quelqu'un est venu lui demander, quels sont les droits d'une épouse sur son époux. Il a dit que... Il la nourrit quand il se nourrit lui-même, qu'il l'habille quand il s'habille, et qu'il évite donc de l'agresser physiquement. Et si ceci devait arriver, même un animal n'a pas le droit donc de toucher à son visage. Ça, ce sont des choses que l'on connaît. alhamdoulilah, et que malheureusement lui-même, comme il a dit, jamais n'a levé la main sur un homme ou un esclave. Et ce qu'il a dit, à les gens sont venus se plaindre à la famille de wasallam) de la dureté, de l'agressivité donc des hommes qui frappaient leurs femmes. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des me les meilleurs d'entre nous. Ceux qui sont venus, ceux qui, pour qui plutôt leurs femmes sont venues se plaindre de leur mauvais comportement vis-à-vis -vis du prophète, Ce sont les choses sur lesquelles... Qu'il est sur laquelle il est revenu lors de son dernier pèlerinage à laisseratou salam pour dire que l'homme il a des devoirs et Allah le dit dans le Coran et lui-même il a confirmé ceci donc à maintes reprises. Il se doit également l'homme de d'enseigner les principes et ça c'est probablement le plus important. La nourriture n'est pas qu'une nourriture matérielle, c'est la nourriture spirituelle puisque Allah l'a enjoint le croyant de prendre les moyens de sauver et leur famille il y a les amanu cou comme ahli comme wa nas hijara vous les croyants prenez les moyens de vous préserver vous et votre famille d'un feu dans le combustible sont les hommes et les pierres comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut espérer sauver se sauver et sauver donc euh, le sa famille c'est bien entendu par la science l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala la science et les bonnes œuvres. Et donc, l'homme se doit de d'enseigner à son épouse si elle ne sait pas, ou de la laisser apprendre, sortir pour aller apprendre, puisqu'il a dit à -salam, ilim ala muslim. la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, donc pour chaque musulman également. Soit il sait, il, en, il lui enseigne, soit il ne sait pas, il lui cherche une enseignante, ou il la laisse aller apprendre sa religion, et donc il doit veiller également à ce que la pratique religieuse, la sienne, soit exemplaire et ensuite également aider les membres de sa famille, dont son épouse, à ce qu'elle respecte, ce que Allah subhanahu wa taala aime et agrée. Kullu kumra, a dit le Prophète sallallahu dans un hadith authentique authentifié par les deux, al-bukhari et Muslim. Chacun d'entre nous est pasteur ou berger et chacun d'entre nous sera responsable, sera interrogé sur ce qui lui a été confié. L'homme est Responsable de sa famille et il sera interrogé dessus. L'épouse ou la femme est responsable des biens de son mari et donc de sa maison et il sera, elle sera interrogée dessus. Le berger sera interrogé sur les bêtes qui lui ont été confiées. Chacun d'entre nous est responsable. Chacun d'entre nous sera interrogé sur sa responsabilité. Comme on l'a dit, le prophète wa dit nous a expliqué que la femme est également responsable, tout aussi responsable, tout autant responsable devant Dieu bien entendu. Il ne s'agit pas des mêmes charges, mais c'est complémentaire. Est-ce que l'homme doit faire Est-ce que la femme doit faire Est-ce qu'il doit s'entraider Bien entendu. Mais la femme est responsable des biens de son mari, c'est-à-dire que ce que le mari a, lui a confié, elle est chargée, elle sera responsable devant Allah Subhanahu wa Taala. Elle ne doit pas ni abuser elle ne doit pas prendre de ce qui lui appartient, pas surtout à l'utiliser, comme on le sait, dans beaucoup de familles, notamment traditionnelles, entre les fêtes et le reste, et dépenser pour la, en cachette. bien Ce dont elle a besoin, elle et ses enfants, elle a le droit de le faire, mais elle doit le gérer de la meilleure des façons. Si ce n'est pas le cas, si elle trahit le dépôt qui lui a été confié, certainement la mauvaise gestion, elle aura à rendre compte à son Seigneur Subhanahu Wa Mais si le mari est radin, si le mari est avare, c'est tout à fait son droit, je dirais même son devoir, de prendre ce dont elle a besoin pour elle et pour ses enfants. Par ça, ce sont les choses donc, qui sont des devoirs vis-à-vis -vis, de, de la femme. Et comme on a dit tout à l'heure, qui est un devoir également vis-à-vis -vis, vis d'elle, c'est d'accepter l'invitation au lit dans la mesure où ce qui est permis. Et comme nous l'avons également dit, la chasteté fait partie. La préservation de la chasteté fait partie du devoir de l'un comme de l'autre. Devoir également de, de, de l'épouse, si la maison, en tout cas, est, elle doit... On parle souvent de bil c'est la convenance, c'est comment ça se fait. Pour, si l'un doit sortir, je ne dis pas si les deux vont travailler, etc., si l'un doit sortir pour amener de quoi nourrir sa famille, etc., la femme doit se, se doit d'entretenir la maison, même si ce n'est pas une obligation écrite. Si elle a besoin chez elle ou ailleurs, dans ses conditions ou dans sa famille ou là où elle vit, elle a de l'aide venant d'ici ou de là, elle peut l'exiger même dans les conditions de mariage. Qu'elle a besoin de ceci et de cela, d'employer de maison ou je ne sais quoi d'autre selon les traditions. Toujours est-il qu'elle ne doit pas laisser également rentrer dans le foyer des gens que son mari n'aimerait pas. Ça, ce sont des choses évidentes. Nous ne sommes pas des colocataires. Nous sommes dans une société la, petite, la plus petite, mais la plus, elle doit être la plus solide des sociétés de base qui doit s'entendre. Et comme on dit par, par ailleurs, le margouillat ne rentre que quand dans, une, dans un mur qui est fissuré. Cette cohésion doit être totale. Cette euh, concertation et cette coopération, cette complémentarité doit être totale. Cela ne veut pas dire que l'homme ne doit pas aider donc son, son épouse, hein, ou qu'il vient devant sa télé, comme ceci arrive souvent, parce que je suis fatigué, je ne fais rien. Le meilleur d'entre nous, Mohammed alayhi wa sallam, il reste l'exemple. Et quand on a demandé à notre mère Aïcha, qu que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui Elle nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait ses épouses. Il cousait lui-même ses habits, il appiaissait plutôt ses habits, il cousait lui-même ses... ses Chaussures, et il était au service de sa famille. Mais une fois qu'il entendait l'appel à la prière d'Adam, il abandonnait tout, il arrêtait tout, séance tenante, pour aller à la mosquée, pour aller faire prier. Donc, aider son épouse, si ce n'est pas une obligation, cela concerne ou cela va, cela complète sa religion et son comportement, parce qu'il considère la personne pas comme une esclave, pas comme quelqu'un qui l'a acheté, pas parce que la dot a été élevée, malheureusement de façon démesurée comme ceci se passe dans nos sociétés, mais parce qu'avant tout, c'est sa sœur. Pour qu'elle soit disponible à l'écoute, pour qu'elle soit disponible, pour être aimée, pour qu'elle soit disponible pour ce que lui, il aurait aimé, bien entendu, lui alléger la tâche, même si ce sont les tâches ménagères, c'est quelque chose qui est plus que conseillé, je dirais même, tout simplement, c'est raisonnable. À y réfléchir, qui gagne C'est le couple qui gagne, qui gagne, c'est l'époux qui gagne aussi. Il ne s'agit pas de considérer quelqu'un comme une esclave ou une femme de ménage, comme ceci arrive souvent, malheureusement, dans euh, les familles, dans beaucoup de familles musulmanes, à cause de l'ignorance yani, de la religion, l'ignorance du comportement du meilleur d'entre nous qui a été envoyé pour nous montrer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je vois qu'on a déjà dépassé la demi-heure. Ce sont des bases. Il ne s'agit pas, encore une fois, moi, mon message, c'est que je veux faire passer à mes soeurs et surtout à mes frères c'est que il faut vivre en bonne compagnie avec nos épouses, avec nos époux, parce que ce que l'on recherche, Allah a dit parmi ces signes, c'est par ce verset que nous avons commencé, 21 de la Surah 30, à Rome, <mets> afin d'y trouver la sakinah, afin d'y trouver la quiétude, afin d'y trouver la paix. Et amis entre vous, c'est une création d'Allah. Et c'est Allah qui nous a créé ce que nous faisons. Mawadda, l'amour, et la rahma qui est la miséricorde. Et certains disent qu'après l'amour, ou une autre forme d'amour avec le temps, c'est la miséricorde qui l'emporte. Et on fait dire mieux que moi accorde la main de ta soeur ou de ta fille à un homme pieux. S'il l'aime, il va la combler. Et s'il ne l'aime pas au moins, il va lui faire miséricorde. Il ne va pas lui prendre ses droits, il ne va pas être injuste vis-à-vis d'elle. Voilà donc euh, la première partie donc de cette émission, comme l'appelle Karim. Donc autour du plateau, nous avons si Mohamed Fidèle. Donc euh, à cette émission du samedi, Mohamed Adda qui nous transmet euh, Fidèle également ce samedi, le samedi à l'émission du samedi et qui nous transmet vos questions et également donc euh, qui a des questions précises qui vous représente entre guillemets. Pour nous poser la question. Est-ce que Mohamed, il y a des questions qui nous, nous intéressent directement Oui, salam alaikum, chère Barakallah. pour ces rappels. Euh, il y a, alhamdulillah, je voudrais déjà remercier nos auditeurs. Ils sont de plus en plus nombreux, alhamdulillah, à assister. Ils, ils participent beaucoup dans les commentaires. Il y a des questions, effectivement. J'ai essayé juste de regrouper une question, puisqu'elle est revenue à plusieurs reprises. Et elles se rejoignent notamment. C'est des personnes qui disent, voilà, je, on est marié, principalement c'est des soeurs, on est marié depuis maintenant, depuis un certain temps. Au départ, ça se passe très très bien. Et puis le mari, petit à petit, a commencé à délaisser la prière ou à dépasser des limites imposées par la Sumatra Allah. Euh, quel est le comportement à avoir dans cette situation, sachant qu'il y a déjà, enfin, il y a récédive, on va dire, et que la personne a déjà été pardonnée. Donc c'est des questions qui tournent un peu autour de ça. Non, euh, il faudrait, comme nous l'avons très bien dit, euh, c'est le projet fondateur. Il ne faut pas l'oublier. Satan a tendance enfin, à être très insistant. Il profite donc de notre oubli pour nous faire oublier l'essentiel. Il est évident que cet homme n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs. Et même les meilleurs d'entre nous ont fait des erreurs. Il faudrait simplement ne pas oublier, comme on l'a dit peut-être une fois, c'est chaque fois qu'il y a un souci quelconque, s'adresser à son Seigneur, il commence par là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient tout, notamment les cœurs. Et ensuite, avec délicatesse, avec sagesse, avec douceur, rappeler à cet homme ou à cette femme, puisqu'on dit que ce sont les, les maris qui abandonnent la prière, etc. C'est malheureusement pas faux. Les femmes sont souvent pratiquantes, mais la façon de le faire, c'est prier devant. C'est inviter le mari à prier avec nous, à diriger la prière. C'est inviter les enfants, quand il y en a, à prier ensemble. Tout ceci parce que le mari verra par là que son rôle, c'est la femme qui est en train de le prendre et elle a raison de le prendre. C'est son frère, c'est son mari, c'est également le père de ses enfants, en ans. Et donc cette sagesse, « Allah dit subhanahu wa ta'ala, appelle au chemin de ton Seigneur » par la sagesse et la bonne exhortation et j'entends je on l'a pardonné plusieurs fois etc et donc là il faudrait absolument tout essayer à commencer par donc la bonne exhortation et avec sagesse et douceur si ceci ne marche pas il faudrait alors s'adresser à son tuteur au tuteur donc de, de la sœur pour mettre les points sur les i essayer de poser un problème parce que c'est un vrai problème c'est un vrai problème, c'est pas parce que tu m'amènes tu amènes à manger, à boire il y a des hommes qui savent le faire, mais je dirais même les animaux le font ils sortent le matin ils reviennent avec de quoi nourrir leur famille, mais c'est pas ce que je te demande les anciens disaient les anciennes surtout disaient fais, quand, quand le mari sortait pour rechercher le risque, il leur disait fais attention nous pouvons patienter sur la faim et la soif, mais on ne pourra pas patienter sur le l'origine ce qui va nous amener en enfer, à l'enfer, c'est-à-dire ce qui est interdit. Et le fait qu'il n'y ait pas de baraka, de bénédiction dans une famille, bien entendu, une famille où on ne prie pas, une famille où on ne lit pas le Coran, une famille où on ne craint pas Allah, il est évident que la baraka va, monter, va manquer. Il est évident que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala risque d'être fort absente. Une famille où on ne prie pas ensemble, une famille où... On ne parle pas d'Allah, on ne parle pas de l'au-delà, on ne parle que des choses matérielles. Ta journée commence très bien et s'est passée très bien, mais en dehors de ça, ce n'est pas uniquement ça qui fait vivre. fait, enfin, on ne vit pas que des choses matérielles, on vit, on doit vivre également, surtout de l'amour d'Allah Subhanahu wa Taala qui met dans le cœur. Et la femme a une place extrêmement importante. Donc, de, de ce point de vue-là, comme l'homme également, bien entendu, l'homme est chargé d'éduquer sa famille, mais la femme également est Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à l'homme. Ce rappel, de la meilleure façon, doit être, après la prière et les invocations, doit être un moyen que j'espère, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala ramènera les uns aux autres. Nous oublions, c'est ce qui a fait que notre père Adam est sorti du paradis, puisqu'il a oublié, Satan l'a trompé. Nous oublions, nous faisons des erreurs, et donc il faudrait considérer l'autre comme son frère, et lui vouloir du bien, et ce n'est pas souvent euh, de la meilleure façon.

Pour que ce qui vient de nous rejoindre et également ce qui, qui a pu ne pas être dit, un rapport essentiel sur les droits et les devoirs, donc euh, entre les deux époux. Fik. De, tu, tu as bien exposé les, les droits et les devoirs de chacun. Et au-delà de ça, effectivement, c'est de se dire quels sont les moyens pour arriver, en fait, à. à on va dire au bonheur, au bonheur conjugal, c'est surtout, surtout ça qu'il faut voir, ce n'est pas des administrativement des droits ou des devoirs, c'est une façon effectivement de réussir son couple, que de euh, donner, euh, être, être bienveillant comme tu as dit, donner des droits qu'Allah nous a imposés, que ce soit pour le mari ou la sœur, c'est en menant effectivement cette, c euh, menant ces méthodes-là ou ces où on se, comment dire, se conformant à ses droits et à ce que Allah nous a, nous a enjoint de faire, c'est que par là, on va arriver effectivement à cet état de bonheur qu'on souhaite dans, 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 dans la vie d'ici bas. Et le bonheur de la vie d'ici bas, il est toujours, comment dire, est toujours en... On, on, on miroir, en miroir, fait, on va dire, de, de, du bonheur dans, dans l'au-delà. C'est qu'effectivement, quand on est heureux sur cette terre, moi, je ne parle pas de, du bonheur matériel, hein, mmh, je parle ça. vraiment de, de cette quiétude, de ce, de ce bonheur spirituel. C'est un beau présage, effectivement, pour, pour, pour l'au-delà. Et Barakallah, au fait que tu avais parlé de cette bienveillance, c'est la chose la plus importante, le fait de vivre, vivre ensemble. C'est cette entente. Parce qu'un couple, c'est toujours ces deux. Et effectivement, deux, ce n'est pas un un seul. Et, les deux seuls, c'est les deux ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça un couple. Ouais. Sinon, ça aurait été deux personnes séparées. Effectivement, ou deux personnes qui ne se parlent pas ou qui n'ont aucun lien entre les deux. Mais colocataires locataire ou autre. Mais quand on est deux, on est couple. Ouais. Ça, ouais. ça implique euh, une relation. Ça implique euh, de l'échange. Et, et c'est important, effectivement, dans cet échange-là, que le maître mot soit la bienveillance. Et soit, comme tu as dit, le Maroff parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui, 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 qui revient très souvent. Il faut toujours que ça soit teinté, que ça soit un fil conducteur dans, dans notre façon de faire. Parce que euh, parfois, on est très bienveillant vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis des gens extérieurs, très exigeant, parfois même euh, méprisant vis-à-vis -vis de, vis -vis des nôtres. Alors que c'est cela, effectivement, qu'il faut le plus chérir et les plus euh, vers lesquels il faut être le plus bienveillant. Par parce que, parce que mmh. je trouve que cette remarque est si vraie mmh. que euh, on est étonné du comportement de beaucoup de gens à l'extérieur mmh. sont euh, les, gens, mmh. les les, les, les flattent, les font leurs dolages. Alors qu'à la maison, ce sont des tyrans. Exactement. À la maison, Ils les, les, ni sont ni l'épouse. Et quand le prophète oui. sallallahu a dit que ce sont les mères entre nous sont les mères avec leur famille. C'est comme si alors, il avait montré, nous, nos comportements, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on peut avoir un bon comportement, mais à l'intérieur, effectivement, on est parfois vraiment des, des tyrans, les gens sont presque pressés qu'on parte. Euh, pas de sourire, mmh. Euh, mmh. pas de questions, mmh. euh, on ne voit que, on n'a que des demandes, rarement. Ou alors, quand on vient avec des choses, bon, on les laisse sans mots. Sans sans, coque, sans sans bienveillance, comme tu l'as dit. Et je pense effectivement, un des points les plus importants euh, que j'ai retenu de ton discours, c'est le fait que ce n'est pas administratif. Et mmh. je crains malheureusement ce que je disais quand les mmh. couples font des mochabalas, quand, euh, quand il y a les, le casting, voilà, quand on vient discuter, en tout cas quand moi je suis tuteur, mmh. et, et voilà, quels sont les droits, qu'est-ce que tu attends du mariage, qu'est-ce que c'est si. Généralement, moi j'ai fait, mais quels sont mes droits il ne respecte pas mes droits. Est-ce que moi, je respecte ses droits je Rarement, sais. on le fait. Est-ce que je me mets un seul moment à essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il vit Pourquoi il fait ces choses-là Malheureusement, non. Moi, je lui amené à manger. Je l'ai fait à manger. Ça, c'est du côté de la femme. Et l'homme, je l'ai amené de quoi manger. J'ai fait ceci. Je l'ai habillé. L'autre, je lui ai donné ceci. Je lui ai fait ceci. Voilà. C'est clair que c'est un, un, un ne font pas deux. Voilà. Voilà. Donc, le, le couple, comme tu l'as si bien dit, je crois que c'est vraiment beaucoup plus que trois. Ce pas un plus, hein. il y a un effet synergique il y a un effet bénéfique à et fait. à condition que, on garde toujours en tête que c'est le bonheur de l'autre que l'on recherche, c'est-à-dire notre propre bonheur. Tout à fait. Voilà. Tout Parce tout que fait. quand qu'est-ce qu'on va, quel bonheur peut on attendre euh, de quelqu'un qui est malheureux? Voilà. Voilà. Si l'épouse si est heureuse, automatiquement, donc par ricochet, on va être heureux. Et si l'époux est heureux, on n'a pas besoin de lui demander s'il m'aime ou pas. Je pense que ça se voit automatiquement. Et ça, malheureusement, en pensant ne penser qu'à soi-même, en fait, on ne pense pas du tout à soi-même, dans la mesure où on n'a pas sémé la graine Donc, qui, du bonheur, comme tu l'as dit. Et ça, c'est vraiment très important, le, cet aspect de non-donnant, que comme a dit le prophète, effectivement c'est le fait. C'est en se donnant des cadeaux, effectivement, on, se, on, on maximise, on entretient l'amour qu'on a vers, vers l'autre. Il y a toujours, un, y a, y a toujours un, un. Pour attendre quelque chose, il faut donner. Mm. Et quand on donne, ce n'est pas que du matériel. Ça peut être de l'amour, ça peut être un sourire, ça peut être un intérêt, effectivement, qu'on porte en fait, à, à l'autre. Ça peut être une petite attention. Mm. Mais quand on le fait, parce qu'il y a toujours un retour, un ricochet, comme tu as dit. C'est en rendant heureux l'autre, ça, ça va ça va nous. Ça va automatiquement nous, 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 nous bénéficier. Et, euh, en revenant tout à l'heure à cet aspect dont tu, quand on parlait du, du devoir, c'est pas si ce n'est pas un droit ou un devoir, mais de façon générale, le mari il a, il a un, un devoir d'être l'exemple dans un, dans, dans un couple et, et au-delà dans, dans sa famille. Et ça, c'est extrêmement important. Et on t'en revient à la, 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 la sonnette du Provétariat. C'est ça a toujours été un exemple dans, dans son foyer. C'est extrêmement important parce qu'on te regarde. On regarde ce que tu fais, on regarde ton comportement. Et, et parfois, quand on regarde, quand on constate des mauvais comportements chez soi, ce n'est que le résultat de manquement. Mmh. Et comme tu nous as toujours appris, effectivement tu nous as toujours enseigné, c'est chaque fois quand on, on, on rencontre une désobéissance, on rencontre un problème, ce n'est que la conséquence de nos péchés. Absolument. Et ça, comme a dit le d'autres ulama des fois, il, le, le, certains ulama il voyait dans la désobéissance de, de, de son cheval, il voyait qu'est-ce qu'il regardait. Il ne regardait pas la désobéissance de son cheval parce qu'il a, voilà, a fait une fausse manœuvre, il n'a pas voulu lui obéir. Qu'est-ce qu'il voit En fait, il se dit, tiens, j'ai fait un péché. C est, c est, je trouve ça vraiment magnifique parce qu'on l'oublie souvent. Exactement. Et on ne voit que la faute de l'autre. Tout à fait. Alors qu'en réalité, nous, on n'accepte pas m'a désobéi. Mm. c'est à la limite comme le dirait Ibn il faut avoir pitié d'elle mais notre Seigneur on lui désobéit matin, midi et soir et qu'est-ce que le Seigneur a voulu me faire passer Juste comme fait. message moi je suis en colère parce que mon épouse a fait ceci ou mon mari n'a pas fait cela mais vis-à-vis -vis de mon Seigneur est-ce que je suis quitte est-ce mm. que je suis euh, celui que euh, il, 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 il a, à qui il a ordonné d'être bienveillant d'être mm. droit etc effectivement je pense que c'est une, une très bonne remarque surtout qu'on ne manque pas quand euh, on n'est pas exemplaire, on a besoin de nous le rappeler, dans la colère ou pas dans la colère. Tout à fait, exactement. Ah. C'est essayer d'être exemplaire, même si on peut, on peut ne pas être, on, peut, on ne peut pas être parfait. Bien ça, sûr. Ça c'est la perfection. On sait que effectivement, aux, à notre Seigneur et au Prophète il y a perfection dans le comportement humain. Hein. Euh, et et c'est important, même si on ne on peut pas être parfait comme Prophète ça, ça il va, faut prendre ça. exemple sur le meilleur des hommes. Et, et l'exemple du prophète al dans sa vie conjugale nous, nous montre des aspects que on, desquels on s'éloigne. En fait, c'est le prophète al n'a jamais été quelqu'un qui mettait entre guillemets, si on peut dire que ça, les pieds sous la table, en train de s'asseoir en attendant le prophète al C'est lui-même c'est lui il, il, il cousait ses, ses vêtements, il l'aidait en fait aux tâches ménagères. Il était quelqu'un d'actif. Il rentrait pas, il attendait pas, il n'était pas là en train toujours de demander. Quand on, des fois on entend on dit oui la femme, elle faut qu'elle me prépare à manger. C'est une femme de ménage comme tu as dit tout à l'heure. Ce n'est pas une femme de ménage. Et, et chaque femme est différente et on peut pas effectivement demander à une femme qui a qui est très il y en a beaucoup qui sont très perfectionnistes et hommes ménage. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas les mêmes personnalités. On ne peut pas exiger la même chose. Effectivement, il faut être, il faut être dans la bienveillance ou dans la compréhension. Et une façon de comprendre, c'est de l'aider. Tu ne peux pas effectivement venir et exiger tout de ton épouse. À un moment, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler le, le burn-out ou autre. Ouais. C ça, ça peut arriver aussi dans un foyer. Il y a des femmes, effectivement, à un moment, elles, elles lâchent tout parce qu'elles ont énormément de pression. Euh, à la fois la pression pour l'éducation des enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui. Y a certains, certains pères qui, qui, qui démissionnent. Hein. Euh, les enfants, l'éducation des enfants, les tâches ménagères et qui travaillent en plus. Hein. Il y en a certaines qui travaillent, qui ont une activité professionnelle. Et le mari, il est là, il dit ouais, ben, La femme, il faut qu'elle me serve. Je suis là, je suis l'homme. À un moment, euh, c est, c est, re, re, regarde l'exemple du prophète -Salam. 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 Le prophète A.S. n'a jamais été quelqu'un qui n'était pas actif chez lui. Quelqu'un qui, qui apportait des choses, il était dans, dans, dans l'entraide, il ne pas quelqu'un qui exigeait des choses, ce n'était pas, pas un tyran. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je, je parle effectivement de cette entraide dans le foyer, il faut être montré effectivement qu'on agit et qu'on est actif et qu'on aide son épouse, et on n'est pas là à la, à, la, à la maltraiter et à la traité comme une, comme une esclave, voire une, 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 une bonne une bonne à tout faire. C'est une, une épouse, c'est une, une femme et qui, euh, de, euh, il faut prendre soin d'elle, comme a dit le prophète Al-Sattusam. Il nous a conseillé effectivement de prendre soin de, de, des femmes de façon générale. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui est vraiment... Ça, ça nous arrive très souvent. Et le prophète Al-Sattusam était le, tout à fait le contraire. De, de ce comportement, c'est le reproche continuel. C'est tout le temps reproché. On reproche pourquoi tu n'as pas fait ça, hein, tu n'as pas fait ça, etc. Par, parfois pour des petites choses. Et le prophète n'était pas du tout comme ça. Il ne reprochait. Ibn le, 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 Malik, euh, qui a raconté le prophète ne lui a jamais reproché pourquoi tu as fait quelque chose qu'il n'a pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait. quelque chose qu'il a fait, peut-être qu'il a fait mal, pourquoi tu l'as fait il a dit j'ai servi le prophète sallam pendant exactement. pendant 10 ans. jamais il m'a dit pour une chose oui. que j'ai pas faite fait, pourquoi pour tu, tu l'as pas faite fait pour une chose que j'ai faite pourquoi, pourquoi tu l'as faite fait. exactement ça c'était le prophète c'est vrai que force de reproches c'est aussi vrai pour nos soeurs que pour nous quand je parle c'est dans les deux non, non, situations non absolument parce que bon mmh. que nos soeurs se réjouissent que tu, que, que tu dises mmh. que nous sommes n'avons nous pas le bon comportement mais également souvent ça c'est n'importe quelle association que de reproches c'est aussi vrai pour nos enfants, on le verra, ch'à dans l'éducation des enfants. On n'a pas envie d'écouter quelqu'un qui nous fait que des reproches. Et peut-être, à l'inverse, on n'a pas assez de compliments, on n'a pas assez de remerciements. Tout à fait. Ça, je pense, oublié, je pense que j'ai oublié. Et je pense que c'est très important. Remercier quelqu'un, comme l'a dit le prophète وسلم, celui qui ne remercie pas les bien bien gens, bien bien ne remercie bien. pas Allah. Et donc, remercier, c'est pas une bonne, comme tu dis, c'est pas non plus un bon, entre guillemets. Mm. Euh, ça, ne tombe pas du ciel. Donc, même, quoi que ce soit qui t'est offert, où que tu vois, le fait de remercier la personne, ça la console, ça l'aide à supporter, ça lui fait oublier mmh. les difficultés. Quelqu'un qui s'est préparé, quelqu'un qui a tout préparé, quelqu'un qui a passé sa journée à t'attendre, le simple fait de remercier la personne pour le plat ou pour le service rendu, que ce soit l'époux ou l'épouse, je pense que ça manque dans beaucoup, beaucoup de... Couple, et ce n'était pas l'exemple, comme tu l'as si bien dit, du prophète alayhi wa sallam. Et parfois les reproches sont des reproches pour des choses futiles. À force, en fait, de reproches, ça tue le reproche, en fait, au fait fait. final. Et le prophète, quand il se mettait en colère, parfois, il se, il se mettait en colère, c'était pour des choses extrêmement importantes, des choses qui, qui touchaient à la religion. Absolument. Et, et, et c'est très, très rare, quand on le voyait, le prophète, se mettre en colère. Et, et, et nous, parfois, ça arrive à tout le monde, hein, on se bien. met en colère, parfois, pour des détails. Je sais que ça cache des choses. C'est Parfois, c'est l'accumulation des choses qui, qui, qui fait ou une situation qui... Euh, qui le sont venimés, le, le stress, stress etc. Travail, le stress de l'extérieur. Voilà. Tout, tout à fait. Il y a il le stress, il y a la situation, peut-être une relation qui, qui, qui ouais. n'est pas, pas au beau fixe. Et du coup, ça nous amène à tout le temps reprocher les choses, à toujours voir le mal. Il faut apprendre à prendre un peu de recul. Effectivement, ne pas tout le temps reprocher. Vis-à-vis des enfants, c'est la même chose. Si on reproche tout le temps, le reproche n'a plus, plus, plus de sens, n'a plus, plus, plus de valeur, n'a plus d'impact. Parce que si on te connaît, tu râles tout le temps. Celui absolument. qui râle tout le temps, à un moment, bah, est tout, tout est égal. Les gens, ils, bah, ton, ça devient ton trait de caractère. Absolument. Tout à fait. Et oui. du coup, pour marquer l'importance de quelque chose, de la gravité de quelque chose, effectivement, on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. Du coup, ça fait escalader parce que ça peut amener aussi à la violence. Parce que quand on parle, si on crie tout le temps, oui, tout ça nous arrive aussi. Oui. Enfin, ça m'arrive. Hein. Si je parle, je ne suis pas parfait. C'est des, des conseils que je me donne à moi-même en prenant du recul, si on crie tout le temps, à un moment pour faire passer un message parce que c'est grave, ben, si on passe, on passe à autre chose, on passe ouais. à, à la violence. Ouais, tout à fait. Parce qu'on on, on est, on est démuni, parce que les gens, vos enfants ou votre, votre, votre épouse, et je parle de l'autre sens aussi pour l'époux, parce qu'il y a des épouses aussi qui, 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 qui sont dans ce cas, si tout le temps on se met en colère et tout le temps on crie pour tout, pour, pour un oui ou pour un non, à un moment on n'est plus capable de faire passer le message que ce que tu as fait c'est grave, ou de pardon, ouais. faire passer sur la gravité de la chose et ça vraiment se reproche je pense que c'est un des comment dire des, 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 des défauts ou euh, les fonds centraux qui, qui mènent à chaque fois au conflit et qui mènent en fait à la perte ou qui mène à la dissolution en fait des couples Inshallah, on en parlera ouais. à la semaine prochaine Inshallah. mais il est clair que ce point je pense qu'il est extrêmement important c'est d'être bienveillant mmh. de se fermer les yeux je parce qu'il y, y a les hommes ils ne commandent tout. Oui. Voilà. Et même parfois, les, 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 les femmes et leurs enfants sont contents quand ils ne sont pas là. Oui. Parce qu'il n'y a pas un truc qui traîne. Au lieu de le lever donner l'exemple, comme tu as si bien dit, quelque chose qui traîne, qui est mal arrangé, qu'on le prenne, qu'on le range, c'est une éducation. Plutôt que de dire et pourquoi ceci n'est pas cette place, et pourquoi j'avais mis cela, je ne le trouve pas, on est souvent dans le reproche. Et sauf celui à qui Allah a miséricorde, il y a des limites. Mm -hmm. Quand on sait que quelqu'un ne fait que de faire des reproches, ça n'a plus de sens. Depuis le mmh. sel qui manque dans la, dans la sauce, jusqu'à jusqu'à plus. Voilà. Où c'est ceci, où c'est cela, et plus on demande, moins on est supportable. Exactement. Voilà. Et donc Exactement. ça, je pense que c'est c'est des choses qui sont vraiment très très importantes dans les droits et, là, et devoirs comme ça. Tout à fait. Parce que c'est les droits et devoirs, et c'est c'est un droit effectivement que que, que l'époux. Où notre partenaire il peut exiger de nous, c'est cette, cette bienveillance et c'est effectivement cette vie qui, qui ne va pas être tout le temps dans, dans les conflits. De temps en temps, ça peut arriver des conflits. Bien les conflits, c'est le sel de la vie. C'est ouais. comme ça. Quelqu'un qui est heureux, est, qui, ne, qui. Absolument. C'est même bénéfique. Hein, qui est même, bénéfique, là, est même bénéfique, effectivement. C'est même bénéfique. Mais à côté, si ça s'enlise et c'est tout le temps comme ça, c'est problématique. Et. Je voulais juste revenir sur un sujet, et peut-être qu'on peut... Qu peut j'ai peut-être arrêter arrêté, arrêté là et laisser peut-être la place aux questions, Là, C'est, quand il y a des... vis-à-vis -vis de votre épouse, vous avez de votre époux, etc., nous, vous regardez pas. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure la question de dire, le, notre mari ne prie pas, euh, on lui a pardonné, etc. Mais, de toute façon, pardonner, c'est une façon de parler, mais on ne pardonne oui. pas. Ce n'est pas nous qui allons pardonner oui, et qui ne prie pas. C'est... Si vis-à-vis d'Allah s'abbas Allah, subhanahu wa qu Allah mais, mais, je, souvent quand elle oui. parle de ça c'est de l'infidélité c'est de l'infidélité ouais, c'est autre chose du je coup c'est de se dire c'est de voir dans dans le, 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 le manquement de l'autre il faut regarder il faut se regarder soi-même avant, parce que celui qui a sa maison, me dise, euh, ils disent, oh, c'est un proverbe ce, euh, arabe, je dis celui qui a sa maison en verre, il, il jette pas des cailloux aux autres. Absolument. Et à un moment, ne regardez, ne vous focalisez pas sur l'autre. D'abord, regardez-vous vous-même, parce que vous n'êtes parfois, le comportement de votre, de votre époux ou de l'autre, de votre partenaire, n'est que le reflet de votre propre comportement. Mmh. Ou peut-être que vous en êtes aussi la cause. Mmh. Peut-être. Posez-vous la question. C est, c est, ce n'est pas éluder la question et de dire ce qu'il fait, il ne fait pas de péché, peut-être ce qu'il fait n'est pas... Et, et fermer les yeux complètement. Mais rechercher effectivement, prendre, prendre un petit peu, faire un step back, comme disent les, 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 les Anglais, revenir un peu et se dire, et se poser vraiment les questions. Parfois, beaucoup se reprochent à l'autre, reprochent aussi à leurs enfants, mais ne se regardent pas eux-mêmes. Parce que les enfants, ils sont comme ça, c'est parce qu'on les a éduqués. Votre épouse, elle est comme ça depuis des années. Ce n'est peut-être, au début, on se dit, beaucoup le disent, au début, ça se, ça se passait très bien. Pendant des mois et des mois. Et petit à petit, ça s'est enlisé. On ne s'est pas posé la question pourquoi. Et peut-être qu'une des causes, c'est nous-mêmes. C'est pas que notre comportement. C'est même sûr. C'est même sûr. C'est peut-être la relation qui a fait que enfin, c'est ouais. ça. On se dit l'autre, il a, il est, il est dans, il subit la pression. Il, 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 il y en a beaucoup qui dépriment, etc. C'est parce qu'on est trop exigeant aussi des fois vis-à-vis -vis de l'autre. On lui demande beaucoup trop de choses. Ouais. Effectivement. À un moment, il faut regarder l'autre. Il faut, il faut être bienveillant. Il faut regarder. Il faut écouter. Il faut essayer aussi de déceler parfois des signes que la personne. Et en difficulté. Parler au moment. Enfin, il faut, faut, faut qu'on soit tous ce psychologues. C'est quelqu'un qui vient, qui a des soucis, qui est stressé, etc. Et mm. quand il rentre, il n'entend rien oui. d'autre que des reproches, tout à fait. etc. Et puis, comme souvent mes frères me disent dans les conflits, hein, ils me disent souvent elle n'est jamais contente. Oui. Elle n'est jamais contente. Et qu'on ne voit que ce qui ne va pas. Donc, du coup, c'est le reproche dont tu parles. Quoi. Mm. Elle n'est jamais contente jamais dire oui. ça, c'est bien. C'est toujours ça, ça va pas. Et c'est aussi vrai, malheureusement, du côté des hommes, et que, oui. malheureusement, soit ils se taisent, et finalement, soit ça déprime, soit oui. ça va, donc, soit le couple oui. est dissous petit tout à, à fait. petit. Tout à fait. Soit alors, euh, on se remet pas en cause. Comme tu dis, oui. on fait dire à Jésus, allez, salam, vois la poutre qui est dans ton œil, plutôt que de voir oui. la paille oui. qui, qui est dans l'œil du de voisin. De et voisin. je pense que, dans un conflit, on en parlera, oui. la semaine prochaine, dans un conflit, on a au moins 1% de tort. Et là, malheureusement, au lieu de voir ces 1%, souvent c'est 50-50, hein, mm. mais bon, au lieu de voir ces 1%, on voit généralement que le tort de l'autre, alors qu'on mm. ne sait pas comment qu on a influencé, quelle est sa part de responsabilité. Et donc, si les choses se passent, c'est pas par mm. rapport à la prière, comme l'exemple que Mohamed a, a donné, la prière, bien entendu, on peut, on peut espérer que, mm. mais quel est ce Comment le frère il est arrivé là Comment Tout ton mari est arrivé là Peut-être que tu n'es pas, innocent pas innocente dans ce qui lui arrive. Tout à fait. C'est vraiment important parce que c'est un, un droit que l'autre a vis-à-vis -vis de nous, c'est de nous toujours nous remettre en question dans la, dans la relation. C'est qu'on le verra effectivement. On anticipe un peu les, les questions oui, de la semaine mais prochaine. Mais c'est des façons aussi de dire que ça c'est une des méthodologies pour arriver au bonheur, au bonheur conjugal. Et parfois c'est vraiment très très compliqué. Je sais dans les relations humaines. C est, c est, c est parfois c'est très compliqué, mais il faut toujours revenir vers Allah. Subhanahu wa ça c'est la chose la fondamentale. Ouais. Et toujours se remettre en, en question. Et ne, ne jamais dire, rester parce que l'humain, la personnalité de l'humain, elle, elle, elle a tendance toujours à se protéger. En fait, l'humain se protège ouais. lui-même. Ton, ton cerveau te, te protège. Et la façon dans laquelle il va te protéger, c'est toujours rejeter la faute ouais. sur l'autre. C'est comme ça, parce que pour pas que tu te remettes en question. Parce que c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est très, très dur. De se regarder dans un miroir, de se regarder en face, c'est très, très dur. Exactement. Donc on attend, c'est bien plus pratique de voir les fautes des autres. Ça, c'est vraiment la difficulté. La première difficulté, c'est de dire c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute du voisin. Et le premier qui prend très, très cher, entre guillemets, c'est l'époux ou l'épouse. Parce qu'on les a toujours, on les a en face. On a cette relation qui est... On n'a plus de tabou. On, on se dit oui. des choses, etc. Alors qu'avec l'extérieur, parfois, on va etc., me pardonner. On ne mesure, voilà. mesure, mesure pas, c'est pas. Le... vrai. Or, euh, étant un frère ou une sœur, ce qu'il ne qu faut mm. pas oublier, c'est que... Comme l'a dit le professeur Salam Abou Bakr, Abou Bakr et Bakr, peut-être que tu as fâché ton frère. Mm. Et si tu as fâché ton frère, peut-être que tu as fâché Allah. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que, comme tu dis, l'inhibition les, les, est mm. levée puisque c'est quel homme, il faut bien que je lui dise la vérité. Il ne peut pas continuer à supporter ça. Donc on le prend sans gants, on lui parle parfois mmh. très durement, tout à fait. et on n'aimerait pas qu'on nous parle comme ça. Mais tu ne sais pas à qui tu parles, si tu parles à ton mari. Mais d'accord, mmh. mais toi aussi tu parles à ton épouse. À mais rarement, on a ce recul-là, effectivement, de savoir que c'est l'autre, notre miroir, et que mmh. c'est la personne qui nous supporte le plus, en tout cas, et qui est à notre service, peut-être qui nous aime aussi le plus. Tout à et fait. ça, malheureusement, le plus souvent. Tout à fait. Et il faut Bien. le voir, effectivement, on voit l'amour, c'est dans la difficulté. Parfois, on voit quand, quand tu es malade, etc., quand on a des difficultés, on voit comment il réagit. Et on voit qu'à ce moment-là, comment il tient à vous. Euh, si une personne qui, 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 qui est là, qui, qui est dans la difficulté, qu'on a facilité, même si c'est difficile, c'est une personne qui mérite notre respect, qui mérite notre amour, qui mérite notre bienveillance. Il faut, il faut essayer de lui montrer, comme tu l'as dit, il faut toujours montrer, remercier, faire un petit cadeau de temps en temps, une, une bonne parole, un sourire. C'est très important. De, pour les relations de façon générale, les relations humaines, mais c'est très important dans un couple. En tout cas, Allah nous facilite nous aide. Euh, c'est un long chemin et c'est pas facile, mais il faut, euh, faut essayer de corriger le tir à chaque fois, essayer de de trou trouver les moyens pour ne, pas, pour ne pas arriver à la dissolution du couple, comme tu l'as dit, parce que c'est extrêmement important. Enfin, justement, c'est deux, mm. deux, deux épisodes qui vont se suivre. Et les droits et devoirs, s'il y a dissolution, s'il y a des conflits, c'est bien mm. parce que des droits ne sont pas respectés, mm. euh, et des devoirs donc automatiquement. Inch'Allah, on développera donc ce, ce, ce sujet-là dans samedi prochain. Inch'Allah, à moins que Mohamed ait des, des questions précises. Eh oui, Baraklaoufic, pour, pour l'échange. cherche euh, juste pour revenir sur la question qu'on a posée tout à l'heure, pour peut-être apporter un compliment par rapport au conseil que tu as apporté, Baraklaoufic, si tout, justement tous ces conseils ont déjà été euh, suivis, euh, qu'on a, a consulté le tuteur, etc., que rien ne change, est-ce que la dernière des solutions reste finalement le divorce euh, on n'est pas encore arrivé au divorce, la semaine prochaine si Allah, on va aborder euh, le, les conflits et les conflits ne vont pas automatiquement au divorce et Allah nous donne wa les moyens d'éviter justement ça et si tout est fait bien entendu on peut arrêter On peut arrêter. Euh, notre série sur la famille alors si on arrive au divorce déjà il n'y a plus de famille donc on va tenter avec l'aide d'Allah subhanahu wa de voir les étapes donc, Allah nous conseille et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle pour éviter justement la dissolution. Après, Allah permet, s'il n'y a plus de solution, que les gens se séparent parce qu'encore une fois, je pense qu'on a fait le bon choix de parler du projet fondateur. On va vers Allah. Tout, tout accompagnement, tout accompagnage tout, tout dans ce bas-monde qui ne va pas vers Allah est un accompagnage qui est faux. Et donc, on ne voit pas que et on verra, inchallah la semaine prochaine, qu'il faut pas, on n'est pas là pour toujours, il n'y a pas ça, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas cela. Les gens étaient heureux avec très peu. Et aujourd'hui, dans ce monde où on est 100 fois, 1000 fois peut-être plus euh, gâtés, dans un confort on peut, que les anciens ne pouvaient pas imaginer, et pourtant on n'arrive pas à former des couples stables et des familles qui sont heureuses. Donc ça, Inch'Allah, on verra ça la semaine prochaine. Euh, les causes, et comme il a dit, euh, si Mohamed l'a fait, je pense surtout le fait quelle est ma part de responsabilité. Si chacun d'entre nous voit sa part de responsabilité, il se peut que les couples ne soient pas dissous et que finalement les conflits soient réglés et qu'on revienne, c'est pour ça que je dis que le conflit peut être utile, qu'on revienne, qu'on se remette en cause, ce qui est très difficile, certes, qu'on se remette en cause, soit dans le couple, soit aidé par, par l'extérieur pour essayer d'arriver donc à sauver nos familles et à bien mieux éduquer nos enfants pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous parce que de quoi il s'agit Il s'agit bien de ça. Il s'agit pas de, 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 de mourir, à, de, de fêter son, 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 son anniversaire de mariage de 50 ans ou de 60 ans, de 70 ans. On va se séparer. Pour rencontrer qui Pour rencontrer Allah qui va nous régler nos comptes. Donc il faudrait vraiment viser euh, ne, ne, pas, ne pas oublier plutôt de ne euh, pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'Allah soit satisfait de nous. Et pour cela, on ne doit pas prendre le droit de qui que ce soit. C'est pour cela donc qu'on parle de droit et de devoir pour justement éviter d'abuser, de, de prendre les droits et les devoirs des uns et des autres. Alors, donc, Il n'y a euh, pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Inchallah. Et comme. Euh, euh, tu le fais si bien, Alhamdulillah, sur Instagram ou ailleurs, poser des questions, s'ils ont des questions. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, mes soeurs, mes frères, sur les questions, vous pouvez les envoyer sur les différents supports et on va essayer de les traiter, Inch'Allah, pour samedi prochain. Barakallah fikum pour votre patience, parce que ce n'est pas évident, pour votre confiance quant aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent, pour votre confiance qui n'a pas de prix, comme je le dis toujours, pour votre fidélité donc, euh, à ces émissions-là et votre confiance aux Responsable de la mosquée. Et tout ceci, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne saurait jamais. لنرMerci كما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته